Hey, what's up les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Skyrat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode de jeu Nexus Siege. Bon, ma team est déjà partie, mais YOLO, alors on va pouvoir se téléporter, tout ça, tout ça. Alors on va expliquer un petit peu ce qu'il en est. Tac, hop là, on va TP ici. Alors en gros c'est quoi? C'est une attaque défense. En gros, nous on est en défense, donc on doit tenir pendant 19 minutes en haut à droite. Là vous voyez, si vous arrivez à check en haut, il y a des summoner spells qui sont un petit peu bizarres. Les summoners ont été complètement différents. Il y a 8 summoners, notamment il y en a un qui va vous plaire beaucoup et que j'ai très envie de tester. C'est une seconde de cooldown sur le flash, et ça c'est quand même vraiment badass. On a là, on a un sort offensif qui fait en gros beaucoup de dégâts sur les joueurs et pas beaucoup de dégâts sur les minions. Alors on va vous montrer ça. On commence niveau 3, je vais... Ah non, niveau 2 pardon. En gros on XP très très vite. C'est un peu comme une sorte de dominion en termes d'XP, on va dire. Mais là en gros c'est un système, du coup le système d'attaque défense. Ce qui est plutôt cool je trouve, c'est que... Alors leur but c'est de pusher le plus rapidement possible, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce que je trouve plutôt cool par rapport à ce mode là, c'est que c'est un mode qui se prend pas trop au sérieux. Et ça c'est plutôt bien je trouve, pour que les gens jouent pour le plaisir avant tout. Donc ça c'est vraiment une bonne chose je trouve. Alors il y a pas mal de stats en haut. Alors je sais pas si vous voyez ici, 0 sur 15 c'est tout simplement le nombre de minions qu'on a réussi nous en tant que défenseurs à arriver jusqu'où dans la base du Nexus Siege. Donc en gros je sais pas comment s'appelle le bordel à la fin, mais le but va être d'arriver. Alors ah, petit first blood. Alors moi je voulais être tout seul hein. Je sais pas si on XP plus vite tout seul, mais dans le doute. Alors pourquoi j'ai pris Ilaoi? Parce que je pense qu'Ilaoi est vraiment peut se faire plaisir, on va dire, en tout cas avec le 1 seconde cooldown de flash. Je pense que le 1 seconde cooldown de flash ça ne servira pas à tout le monde. Après là on est sur le PBE, donc on rappelle hein, c'est le serveur test. Donc c'est le serveur que Riot met à disposition des joueurs pour essayer en gros les patchs à l'avance. Le seul problème c'est que le serveur se trouve, je sais plus s'il se trouve à l'ouest ou à l'est des États-Unis. Bref, en tout cas il se trouve pas chez nous. Donc du coup on a forcément plus de ping. Alors oui, les élastiques servent à rien, puisque mais ça c'est plutôt cool d'ailleurs je trouve. Ça évite que les gens jouent trop leur vie dessus. Alors je vais quand même vérifier si ça sert vraiment à rien ou si parce que je sais qu'il n'y a rien qui est affiché, mais ça se trouve ouais, je pense que ça sert à rien, je pense que ça sert à rien. On voit que les goals, on dirait vraiment que c'est un income. Alors, un income c'est quoi? C'est tout simplement un truc que vous allez gagner petit à petit au cours du temps. D'ailleurs, je vais peut-être un peu me réduire parce que là je prends vraiment un peu toute la place. Tac, hop, tac. Alors on va partir sur les items évidemment défensifs. Alors faut que j'utilise mes points, attendez, pour qu'on puisse voir un peu à quoi ça ressemble. On va faire de la CDR directos. Alors, je vais prendre ça et ça. Alors j'ai pris deux trucs que vous ne savez pas encore ce que c'est. Le premier c'est c'est un spell qui va faire un sort linéaire. Hop, regardez. Alors non, je l'ai évidemment pas fait. Merde, je me suis trompé de bouton, j'ai appuyé sur 4. Mais pas du tout hein, c'était le bouton D. Hop, nice. On va push. Alors pourquoi il va être pas mal? Parce qu'en fait je pense qu'on va avoir plein de tentacules, et en plus du coup je vais toujours rester vers le centre. Enfin je pense que je vais bien les faire chier en gros. Hop là. Alors c'est un système d'attaque défense, donc au début on attaque, enfin non, au début on défend pour le coup, et après on va attaquer du coup, logique. Alors c'est une espèce de petite fontaine, même si c'est une fontaine un peu toute claquée, on vient de le voir, hop. Un peu nul on va dire. Alors là on va pusher, le but étant d'arriver à les déchirer lorsqu'on a 15 mobs qui arrivent dans la base adverse. Ce qui est, oula merde, ce qui est bien c'est que du coup on va pouvoir envoyer un énorme laser dans toutes les lanes et ça va tout défoncer, donc en gros c'est vraiment pratique pour pouvoir les dépêcher. Honnêtement moi je suis agréablement surpris par ce mode. Je trouve que ils ont réussi à créer un mode bon voilà, on a gagné 20. Alors oui, on gagne 20 Crystal Shard lorsque le mec meurt. What the fuck this damage. Typical il a eu jeu. Si vous avez suivi mes aventures sur la chaîne YouTube, on joue avec un main Ilaoi et c'est assez drôle de voir comment les gens à chaque fois sont choqués des dégâts du perso. Très très bon perso évidemment. Alors j'ai pas utilisé mes sorts, on va les utiliser maintenant. J'ai en plus économisé un peu de glace, enfin de shroud, ce qui est plutôt cool. On va faire ça, hop, hop, et on va TP. Alors il me faudrait des boots quand même, rang 1 minimum, voilà. Et let's go. Alors, je vais essayer de vous montrer. Après faut qu'il s'avance un petit peu parce que là il est quand même un peu loin. Hop. L'idéal serait que je le clone. Voilà, parfait. Ah oui, il est en train de se barrer.
Dommage. Bon, il est pas trop tenté. Alors là c'est un... Justement, donc moi j'ai des sorts défensifs, donc je vais vous montrer celui-là. Alors, ok, ça a pas marché. faut vraiment qu'il soit plus près. Approche-toi. Le problème c'est qu'il a un peu trop peur. Du coup, ça c'est pas prévu. Alors vraiment là, je donne mon cul mon pote, hein. Quand tu veux. Ah, par contre ça... Ça part pas du tout pour l'instant, donc je vais pas vous cacher. C'est chelou. Alors je vais devoir TP parce que là j'ai vraiment plus d'HP, on n'a pas trop envie de mourir. Alors on va back d'abord. Hop hop. Il manque tellement peu de gold. On va attendre, on va attendre, on aura le petit Sterak. Vous avez vu que ça va très très vite, hein. Alors ce qui est bien je trouve c'est que du coup on peut se foutre sur la gueule sans avoir la frustration de se dire ah il m'a tué une fois donc ma game est morte. Enfin tu vois genre je caricature mais c'est un peu l'idée, hein. Ta team se fait un peu... bah ta team est à 0-10, bah t'as souvent perdu, hein. Du coup, y a, on va dire qu'il n'y a pas ce sentiment un peu de fatalité qui fait un peu chier sur elle en ce moment. Où tu te dis, bon bah, bah unlucky, bah la prochaine game, pourvu que ça se passe mieux, on va dire, hop. Et j'arrive pas à utiliser ce truc, c'est bizarre. Genre j'appuie sur le bouton, il se passe rien. Ah non, faut que je choisisse la tourelle, oui je suis super con. Eh oui, je suis super con. Ce qui est bien, c'est que ça fait vraiment pas de damage, hein, MDR. Ok, donc là on a vu mes dégâts. Nice, le petit laser justement. Faut que les mecs se cachent, s'ils se cachent pas, ils sont morts. Alors, moi ce sort, je vais clairement l'utiliser puisque bah j'aime bien, voilà. Salut. Donc là il va il va écrire un message en pas longtemps. Ah non, ah il est en fait, il est plus putain, je l'ai sous-estimé quoi. Ah ça buff les minions, hein. Ça buff les minions donc faut clairement le péter. Il y a marqué Barrax, un peu comme dans ok. Dans Dota, tout ça. Hop. Fuyons. Et comme aux États-Unis, hein. Barrax Obama. Allo. Allez, on se barre. On va prendre. Alors, du coup, je vous ai montré un sort. On va prendre celui-là. Du coup, ça, c'est un champ d'entropie. Alors, je vais prendre d'abord celui-là. Bon, il sert à. Moi, je l'aime pas trop celui-là, honnêtement. Mais bon. Après, il en faut pour tous les goûts, hein. En gros, c'est un sort qui va protéger votre tourelle. Le truc, c'est qu'ils atteignent pas ma tourelle. Donc, du coup. Allez, je fais ça. Hop. Comme ça, ma tourelle est invulnérable. Et comme ça, eh bien... Alors oui. Alors oui, effectivement, j'avais oublié que les gens pouvaient rester dans la zone. Parce que quand tu le fais, en général, les gens s'écartent. Ou pas. Donc, voilà. Bon, moi, je trouve que le truc des éclairs, honnêtement, le premier sort qu'on a pris est vraiment fort. Là, le sort que j'ai le plus envie de jouer avec Ilaoi, c'est c'est celui que je vais vous faire là. Attendez. Alors, l'idéal serait que je me fasse gank. Bon, pas comme le gank de la Fiora, parce que ça a pas très bien marché. Et on va dire un autre gank. Oh oui, il va prendre Bagdad du coup. Oh non. Dommage. Il a pas pris assez de dégâts. Non. Attention les shurikens. Bien joué ça. Beaucoup trop chaud. Alors on peut dire que je crois que l'attaque a le droit de se faire reboot, hein. Pour le coup elle se fait vraiment déchirer. On va continuer à pêcher les minions. Ah d'accord, il est comme ça lui. Alors là je suis mort, c'est sûr. BAM. Et bah non. Et bah non. Alors on va quand même lui écrire un nice try. Il est au fond. Alors là, voilà, bon. Je sens les joueurs un peu salés, tu vois. Je sens le mec un peu déçu. Alors après saut de sort défensif, parce que j'ai l'impression que les mecs en face sont un peu en PLS là. On les sent vraiment au fond de la salle. En tout cas vous me direz ce que vous en pensez justement en commentaire. Si bah si, est-ce que le jeu vous plaît, etc. Honnêtement je trouve qu'ils ont réussi à créer un jeu comment dire où les gens vont pas enfin je veux dire les gens vont prendre plus de plaisir qu'ils vont on va dire jouer leur vie pour gagner à 100%, tu vois. Du coup je pense que tu peux quand même prendre du plaisir même si tu te fais un peu maraver la gueule. Bon là pour le coup bon, peut-être que le Z en prend pas de ouf. Ok peut-être que le Z du coup lui là il est pas à fond. Parce que là c'est vrai qu'il a quelques soucis. Petit laser. Bon là on voit vraiment que les mecs sont au fond parce que sachant qu'en fait on push plus qu'eux. Ce qui est quand même un peu gênant. Alors vous savez que quand l'attaque elle chope des kills, elle gagne de la thune. Tout comme nous. Mais elle gagne plus de thunes. En gros elle gagne 40, on gagne 20. On gagne aussi des thunes sur les assists, en gros la moitié. Mais on n'est pas là pour faire les assists de toute façon nous donc. Oh non. Putain j'ai pas réussi à cloner. Bien joué ça.
pas gentil ça par contre. Eh ouais mon pote. Eh ouais mon pote. Non j'ai pas mal de temps, non je suis deg. Non pardon, ah, je suis deg, ah, je suis deg. Oh non, purée, diantre. Bon bon, il m'aurait pas sauvé hein, ça. Malheureusement, c'est pas si fumé. Alors, du coup, il faut de l'armor. On va prendre ça, évidemment. On va prendre ça, comme ça, ils auront vraiment pas de dégâts. Et on va prendre aussi des Tabi Ninja, voilà. Comme ça, on sera vraiment bien. Hop là, et on va TP mid, hein, par contre. D'accord, il casse ma tourelle, comme ça. Donc, il y a plus de respect. Oh merde, non. Oh non, je suis deg. Bon, j'ai masse points. On va mettre un petit sort. Alors, je sais pas trop ce qu'il fait. Oh non, j'ai pas mon ulti, je suis deg. J'aurais trop qu'il fasse mon ulti là. Et boum, on met la zone. Évidemment, il est pas mort sur ça, je suis deg. Meurtre en série. Bon, ils ont pêché, c'est bien. Tant mieux pour eux. Hop. On va faire ça. On va reculer. On va back. On va partir sur. Alors, je vais réutiliser le saut éclair et ça. On va le spammer ce sort. Hein. On va le spammer à un truc de ouf. Parce que j'aime beaucoup le sort de saut éclair et tout. Hop. Hop là. Pouvoir flasher avec Ilaoi toutes les secondes, mec, c'est un régal. Si vous êtes un joueur d'Ilaoi, vous comprendrez. Hop là. Oh là là, ma copine. Attendez, attendez. Une petite Caitlyn comme ça. Oh, joli skin d'ailleurs. Hein. Alors par contre ouais c'est relou. Hop. Ouais mais attends que what the fuck. Ah ouais, on en est là quoi. Alors je suis prêt. On va se barrer. On a ma stun. On va partir sur. Oh, une petite arrow là. Alors là oui effectivement. Salaud. Sois-le. Ensuite. Ah d'accord. Ah, pas gentil ça. Salut. Ah non le bâtard. Ah non. Ah non. Ah non, j'avais pas mon sort pour faire apparaître les sauts éclairs. Putain. L'enflure. Alors attendez, bien joué. Du coup ouais, je voulais forcément utiliser mon saut éclair en masse pour pouvoir me barrer. Malheureusement je ne l'avais pas. Du coup je ne pouvais pas. Alors on va prendre évidemment un petit peu de CDR à base de Spirit Visage. Et on va TP. Donc bon je suis vraiment. Je trouve ça vraiment cool en tout cas le mass flash. Une seconde de goulage sur le flash, c'est tellement agréable. Je pense que tous ceux qui. Ça c'est vraiment le summoner qui est le plus agréable à utiliser je trouve. Ou en tout cas l'un des summoners les plus agréables à utiliser. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir le spam. En mur c'était une minute, on était content. Là c'est une seconde, bon et c'est une seconde pour toute ta team hein. Toute ta team quand elle est dedans, ça fait la même chose. Donc c'est vraiment cool. Hop. Salut. Ah monsieur Carotte, voilà, bonjour. J'adore. C'est tellement cool en vrai. En plus c'est à dire que si, genre en fait ce qui est bien c'est que je pense que le. Alors ce summoner spell là, je pense que c'est pas le plus facile à utiliser hein. Je pense que le plus simple c'est sûrement le laser. Mais c'est sûr même. Mais avec des joueurs si. Bon là on est sur le PvE de coucou, ça il y a un peu plus de délai et tout. Mais en vrai je pense que si tu séquences en gros ton summoner spell qui fait que tout le monde a une seconde de flash avec un autre pote qui le fait aussi contre des adversaires qui le font aussi, ça peut être trop débarre. Je pense que ça va partir en coup total et c'est ça qui est kiffant je trouve. C'est que tu peux. Bah voilà, tu t'abuses quoi, ça c'est vraiment cool. Oh là 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 là, quel génie du jeu! Ah ouais, on en est là quoi. Le mec c'est un expert de la Aish quoi. Bon, ouais. Oh là 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 là, mais le beau jeu! Ce génie du jeu, putain! Alors attendez. Je vais taper ici. Bon, le problème du laser c'est qu'il faut le faire sur une tour. Le problème c'est qu'on a plus de tour. Donc du coup c'est pas évident. Ah, on peut même sauver ses teammates du coup avec le flash une seconde. Parce que du coup c'est un truc en AE. Trop bien ça. Franchement c'est trop cool ça. Oh merde. Bon il nous reste quoi, 4 minutes. 4 minutes à tenir et puis après du coup ce sera à nous d'attaquer. Là on va se mentir, bon ils ont ils sont dans la merde hein, voilà hein. Bon
Bon, ok. J'étais peut-être un peu dans la base. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, comme on gagne beaucoup de gold, vous voyez que du coup, on est full stuff en genre 14 minutes. 14-15 minutes. Ça dépend de à quel point vous prenez des items chers ou pas. Mais du coup, c'est vraiment bien parce que ça vous permet en gros d'avoir le plaisir du late game sans avoir le snowball, on va dire, du mid game. Parce que là, en vrai, ils peuvent quand même gagner. Même si on a l'impression qu'en fait, on leur roule dessus. En vrai, il est quand même full stuff le coq. Donc, techniquement, il est pas désavantagé par rapport à moi. En plus, Kog'Maw, bon bah voilà, c'est Kog et ça a un excellent late game. C'est un excellent late game, donc oui, le perso est fort. Hop là. Boum. Et voilà, ils sont dans la base pour une fois, on peut le stage item. Ah, c'est le problème, c'est que du coup, si le mec push pas, bon, c'est compliqué de les tuer avec des tours s'il n'y a pas de tour. Je sais pas si la zone de flash sert aussi à nos adversaires. Non, non, c'est que nos alliés, dommage. Ça aurait été marrant, tu sais, que ça soit une sorte un peu comme Kid Dread, genre c'est bon et c'est pas bon en même temps, tu vois. Oh là 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 là. Ce grab, mon pote. Avant, là, il est cloné, donc on va le poursuivre. Hein. Oh là, 45% de CDR, parce qu'évidemment, on a pris les masteries pour avoir 5% de plus. Bon, là, il veut dasher. Hop. Poussez-nous. Salut. Wow, t'es tanky quand même. Hein. Mine de rien, t'es tanky. C'est trop bien. C'est trop des barres de pouvoir flasher comme des ouf. Ah merde, ah, j'ai niqué la game là par contre. Oh, j'ai niqué la game. Moi j'ai bien fail. Hop. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah d'accord. Bon là je vais pas. On va pas chercher à comprendre. Le rendu ne me sauvera pas donc fuyons. Kog'Maw commence à scale. Mine de rien, ils ont quand même 2 minutes pour gagner. Bon, ça me semble difficile, on va pas se mentir. On va vendre les boots pour avoir un autre item. Oh là là, j'avoue. Parce que là le but c'est de casser notre Texas. Donc le but pour nous c'est de le défendre techniquement. Oh my god. Oh my god, il est fort lui. Oh là là, on est pas bien là hein. En vrai là je suis genre vraiment inquiet quoi. Alors on va prendre nos deux teammeneurs. Oh là 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 là. Oh là là là. On va prendre Laser et tourelle. Donc la bonne nouvelle c'est que j'ai économisé la thune. La mauvaise nouvelle c'est que on peut vite perdre. Le problème c'est que j'ai pas assez de thune, ouais. Ah d'accord. Ah d'accord, d'accord, ok. Oh, tu m'as fait quelques dégâts apparemment. Bon, on va récupérer cet item là, donc c'est cet item là que je voulais. Danse de la mort. Pour avoir un peu plus de régène, on va être là, on va être beastie. Alors le problème c'est que du coup j'ai pas de flash, ça c'est relou. Alors attends, on va vendre, au pire on va vendre ça, hop. On va le tège, on va refill. Donc là c'est pour rembourser vos prix, enfin vos trucs. Hop, hop, on garde ça pour défendre quand même au cas où. Et let's go. Ça c'est pour rendre la tourelle en gros invulnérable. Voilà, alors en gros, économiser des thunes pour le late game, c'est intéressant parce qu'en late game, tout est possible. Hein. Et boum. Oulala, là là là. Petite pression hein, sur la top lane. Il leur reste qu'une minute, mais honnêtement, c'est faisable, je pense. Oh là, les dégâts que je lui colle, gros. Mais bah, il est mort, il est mort. Oh bâtard, oh bâtard, oh bâtard, oh bâtard. Oh bâtard. Oh, j'ai bien fait de prendre. BAM! Bla 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 bla! Bla 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 bla. Non. Oh dommage. Oh non. Oh non gros. Olaf. Olaf come on. 30 secondes. Il est AFK. C'est une blague. Ah sauf il est AFK depuis longtemps, j'ai pas remarqué. C'est possible. Mais non, AFK pas maintenant. Non. LOL. Oh, bien fait ça, magnifique. Non, oh la FK, what the fuck. Oh non. Oh non. Non, t'as pas le droit, putain. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien joué, ils ont gagné la première manche en 19 minutes 50. 19 minutes 50 à battre. On va essayer de faire mieux pour voir s'ils ont de la régène. Nous sommes tout assez peu. Ok, et on va essayer de les défoncer évidemment. Hop, hop, hop. Alors, les sorts offensifs. Donc là, vous avez une balise qui va en gros tirer sur le truc. Donc ça tire de loin. On a une bannière d'avant-garde. Donc en gros, ça buff les minions de leur tankiness et de leur dégâts. Donc en gros, ça buff les minions. Ça protège les trucs que vous posez. Donc ça rajoute des tics de protection. En gros, ça les rend plus tanky. Il faut mettre plus de quoi, un peu comme une war si vous voulez, avec plus d'HP. Et ça vous permet de créer un téléport pour qu'on puisse se TP directement dans leur base. Donc voilà, c'est intéressant. Alors moi, je vais jouer middle lane. Et on est parti, les potes. Oh my god. Ah oui, donc il est vraiment. Ah oui, d'accord. Donc ça se trouve, en fait, il était vraiment fiable depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'on était en galère. Je sais pas.
En tout cas, c'était une belle game. Franchement, j'ai kiffé. Comme fin, pour le coup, le retournement était réel. En plus, il aurait juste suffi qu'on ait tous, en gros, de quoi racheter le sort et qu'il rend la tour invulnérable. Après, le problème, c'est qu'évidemment, elle avait un cooldown. Non, je sais pas si vous avez vu, mais en gros, il y avait un cooldown pour pas qu'on puisse full en abuser. Oh, je suis encore contre le même Z. C'est cool, ça. Il va pouvoir se ramuser. Tout à l'heure, il avait, je crois qu'il avait kiffé, donc... Aïe. Ça, c'est pas gentil, par contre. Alors, il paraît qu'il a back. Il paraît que je vais faire pareil. Hein. Hop là. Alors on part vraiment sur un deck, enfin sur un pool diversifié. Alors on est 4 contre 5. 4 contre 5, on va devoir du coup bien jouer. Alors je vais essayer de jouer ma ville. Parce que clairement, autant en 5v5 ça se passait plutôt bien, autant le 4-5 c'est pas évident. Alors c'est quand même, je pense que c'est quand même potentiellement faisable. Même si évidemment bah, c'est plus dur, hein, logique. Ce serait bizarre que ce soit autrement. Hop. Putain, il me saoule. Je voulais qu'il cancel, il a cancel, c'est cool. Ah merde, ça c'est pas gentil là. Donc là faut strafe, encore c'est comme ça. Pensez à strafe. Idéalement, changez de direction si vous le pouvez. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Oui. Nice. Oh, je l'ai. Bon, je l'ai rect un peu. Hein. Oh là, mais moi. Oh mec, je push 0. Oh là là, je push, je tape à 40. What the fuck. Ah ouais, je peux vraiment pas la tour quoi. Donc là faut vraiment, on a vraiment besoin de la balise quoi. Alors la bonne nouvelle c'est que la balise je vais pouvoir la défendre je pense. Alors vas-y, on va prendre ça. On va prendre la balise, on va essayer de la défendre à mort. Donner tout ce que je peux pour la défendre du moins. Hop. Prenons un début de CDR, tout ça, tout ça, tout ça. Frozen, purée de merde. Fuck my life. Hop là. Tac, tac, tac. Tac, et on va prendre des boots également. Hop. Ok, bon, ça va. On est dans les temps. On a perdu du temps malheureusement, donc on aurait pu stacker plus de trucs. Bon, là on se fait défoncer la gueule. Hein. Alors on verra s'il va revenir ou pas. Mais dans tous les cas, alors 2200 unités. Ah ouais. Ah ouais. Oh ouais, bon ça. Regardez, allez. Nice, 2220. Donc ça veut dire que je peux taper la tour d'ici. Ah bah mec, t'inquiète pas, je vais pas me gêner. Hein. Ah d'accord. Ah d'accord, voilà, bon, il m'a écœuré du jeu. Ah d'accord, bon bah ok, bah ok. En mode j'ai un peu le seum là, j'avoue. Allô. J'ai trop le seum, putain. Bon bah dommage. Ok. Est-ce qu'on pêcherait pas ensemble? Alors on va prendre ça à nouveau et on va prendre ça, voilà. On va prendre protecteur et machin. Donc là, on va poser un truc et on va augmenter la tranquillesse du truc. En gros, c'est ça. Mais merde! Il me saoule! Putain! Non! Sans deck! Non! Plus petit que le diagramme. Ah mais du coup si on défend pas la top lane ils vont reset la lane encore une fois. Bah ouais, ouais. Parce que les autres ils push mais le problème c'est qu'ils vont stacker ils vont tellement push en haut que je sais même pas si c'est worse. Ok, pas grave, pas grave, pas grave. Oh c'est la merde hein. Je vous cache pas que le 4v5 il fait mal hein. On va défendre, on va défendre. Il est de mon devoir de tenir, hop là. Ta gueule toi, hop. Alors tu vas être très déçu je crois. Bah. Ah par contre là, non c'est ma fontaine les gars. Non mais t'es pas. Comment tu veux que la fontaine me défende, il est déjà mort. Bah oui. Oh shit. Oh shit, on est dans la merde. Oh, ça va être chaud. Unlucky hein, putain. Lucky même dans les mini-jeux putain. Bon c'est pas grave, on push. On push, on push. Est-ce que je peux gratter la tourelle intérieure? Évidemment pas du tout. Ah dommage, nice try. Oh oui c'est bon ça. C'est merde dude. Ok.
Alors ce qu'il y a, c'est que du coup mon perso peut faire chier le mec quand il veut CTP, ça peut l'emmerder, hop là. Bon attends, mais je regarde juste combien je mets à la tour. Ah, je lui mets vraiment que dalle. Ah gros, je mets vraiment zéro quoi. J'ai essayé de full backdoor genre. De toute façon, je pense qu'il va, nous falloir backdoor là. Il va nous falloir backdoor à l'infini parce qu'on pourra rien faire. Ah, attends, on va prendre ça, on va prendre la balise de siège. Ok, vas-y, je suis chaud. Et on va coacher la team. TP mid, balista. Go go. On va demander de l'aide, A base de balise, tout ça, hop. Alors, vas-y, D et F. Hop là. Donc là, c'est bon, help. Oh non, j'ai mis dans le mauvais sens, je crois. Je crois que j'ai encore mis dans le mauvais sens, du coup ça marche. Du coup j'ai fail. Donc en fait, ça n'a pas compté, voilà, excellent. Oh mec, je m'en bats les couilles. Hein. Je meurs sur ta tourelle, mais je lui mets tout. Hein. Mais j'ai ça! Bien joué! Allez mec, moi je m'en bats les couilles, je joue jusqu'à crever hein. Rien à foutre. Alors attends, I will be back bro. Je commence à faire les dégâts, je vais jouer full damage. Je vais pas jouer tranquille, là je m'en bats les steaks. On va essayer de tuer des tourelles. Donc je vais prendre Sterak, 60 secondes de cooldown, ça peut être pas mal. 60 secondes c'est quand même un peu long mais bon. Vas-y YOLO. On va reprendre Ballista, hop. Déployable. Hop là, on va demander de l'aide. Bon, on a creusé les premières tourelles. C'est le début de l'espoir. Oh, on l'a mis beaucoup trop près, on est con. Oh, on est super con là-dessus. Ça double TP. Et voilà. Bah du coup, la bonne nouvelle, c'est que là, du coup, ça nous force à jouer en team et tout à mort. Parce que bah, sinon, on est foutu, on va pas se mentir. Hop. Ok, ok. Bon, esquiver ça avec... sur le PBE avec 150 de ping, c'est pas évident. Alors, ça du moins s'il le fait bien. Du coup, bon, c'est pas mal. Hop. Ah, il y a le bouclier. Fuck this shit. Bien joué ça. All bot. Allez, go. Venez les mecs, venez. On peut lui mettre cher. Ah, mec, t'inquiète pas, j'ai bien compris que je pouvais toucher là. Bon, moi je m'en bats les couches backdoor. Hein. Le reste, on s'en fout. Je meurs sur ta tourelle, mais je te la tue. Hein. Je te le dis direct. Et voilà. Alors. Bon, je suis foutu. Allez, tu vois par le laser, je m'en bats les couilles. Parfait ça. Ok, nickel. On a pris une première tourelle. Enfin, une première tourelle, une autre tourelle. Oh, on est pauvres. Ah, ouais, on est pauvres de ouf. Nice, il push au mid un peu. Oh, elle est pas mal là. J'avoue qu'elle est pas dégueu. Hop là. Tac. On va jouer full offense. Pour essayer de pull des petits moves, tout ça. Hop, CDR. J'arrive. Il faut vraiment qu'on prenne un inhib. Si on prend un inhib, on est grave bien. J'arrive, mon pote, j'arrive. Oh là là, ah bah ouais, mais Cog, mec. J'avoue que pour casser les bâtiments, c'est un peu sympa. Non. Non. Allez, s'il te plaît. Nice. Oui, je l'ai eu en plus. Gotcha, bro. Vas-y, les libres, on s'en fout du reste. Vas-y, nice. 4-5, we can do it. Mec, c'est la folie cette game. C'est tellement excitant au final, les 4v5, parce que c'est tellement dur. Warf, bah, clairement Warf it, mec. De ouf. Il manque un peu de thunes, on va vendre ça, on va prendre ça, on va TP mid, je vais partir sur ça. Alors je prends ce que j'estime être les plus intéressants. Parce que là je vous cache pas que c'est pas évident.
plus petite que le diagramme. Et boum, la tour qui va die. Bon là la tour elle est morte en tout cas, ça c'est sûr. Bon, moi j'ai plus d'HP mais c'est pas grave. Allez, allez! Nice! Non! BG ça! BG ça! Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, mec! 4v5, on peut le faire! Avec ses feux! J'avoue que là, je suis vraiment à fond là! Oh non! Le wave clear! Oh non! Ah, il tombe mal là! Ah, il tombe pas bien le wave clear là! Hype! Là, on a vu la Caitlyn qui pêche en bas pour le wave clear justement. Bon, la bonne nouvelle c'est que maintenant on a deux super minions et il nous reste 7 minutes. Donc y a moyen, franchement y a moyen grave. Ah merde, ouais pauvre. Alors le truc qui sert à TP, honnêtement je vais pas le faire je pense. Ça peut être pas mal mais je sais pas si on aura le temps de vraiment l'utiliser. Mais voilà, dégâts magiques, dégâts physiques, ouais, il fait les deux hein, le pauvre. Le pauvre, alors qu'est-ce que je pourrais prendre? Allez, je vais faire un Malmortius. Bon, t'as un peu la tranquillness indirectement, genre. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il est énervé, lui. Hein. Ok, vas-y, j'y retourne. Ah, par contre, ça marche pas contre moi, ça. Et voilà! BRB. Push. Push it, push it, push it. Push it, push it, push it. Push bro, push. Ah vas-y, hop, on va RTP, hop, et on va prendre celui-là. Alors, bannière de l'avant-garde. Ah mais non, putain, je me trompais. À chaque fois je prenais des trucs pour protéger mes propres tourelles, c'était le mauvais que je posais. C'était pas un shield que je posais, c'était un... Ah ouais, merde. Je me trompais depuis tout à l'heure en fait. Vous deviez vous dire, mais il est con. Eh oui, vous aviez raison. Hop là. Oh non, qu'est-ce que je fais? Oh non, j'ai misclick. Oh VDM. Oh le misclick de grosse merde. Oh nice, ma team a super carry là. Putain, c'est ça que je voulais te prendre depuis tout à l'heure en fait. Oh là, c'est trop bien en plus. Oh c'est trop bien, putain, clairement. C'est ce que je voulais faire depuis le début. À chaque fois je me trompais, je me disais pourquoi j'ai pas de shield à chaque fois. Parce que je me plantais de trucs, putain, quel con. T'as quel game mec, quel game. Putain, c'est la folie quoi, pour le coup. Je m'attendais pas à ce que la game soit aussi bonne. Bon, normalement, elle aurait pas dû être aussi ouf parce que normalement, on aurait dû être 5. Ça aurait été auto-win, je pense, si on avait été 5. Là, honnêtement, c'était pas vraiment auto-win. Blah. Alors là, on les sent un peu acculés sous leur tourelle. Hein. Tu peux être safe au début lorsque les minions commencent à arriver en méga sbire. C'est pas évident. Hein. En plus, ils sont buffés. Avec le truc qui buff la RAM et la RM des minions. C'est vraiment plutôt pas mal. Hop là. Vas-y, moi je push. Hein. Opération. Opération le push de la mort. Hein. Allez, on le clone. Bra. Salut. J'adore quand il se prend une vieille coup de tata kill, c'est trop bien. Avec la game de ouf. Il nous reste 4 minutes. En vrai on a fait très clairement le plus dur. Il reste plus qu'à pêcher un petit peu. Bla. Et c'est la victoire les mecs. On a pêché en plus vite que du coup. Boh. Oh là 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 là, mais quel game. C'était trop bien. Bon j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. Bah, j'espère en tout cas que vous avez bien aimé. Bon j'ai pas pu vous montrer du coup le dernier item, le téléport. Je me suis trompé du coup entre le totem de protection et l'autre. En tout cas voilà, c'était vraiment kiffant. Bah, j'espère que vous avez pris du plaisir aussi. Dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous avez bien aimé, quel item vous avez trouvé sympa, etc. Bon, je pense que l'item qui pose des shields sur les autres, je pense que c'est vraiment indispensable. A mon avis, l'attaque est avantagée. Je pense que l'attaque est avantagée. Après évidemment, si l'attaque est très désorganisée et qu'on prend pas trop le truc, je pense que ça va. Mais sinon, je pense à niveau égal, à mon avis, le 4v5. J'avoue, on a fait un 4v5 sans pression, quoi, putain. Bon, kiffant. Ah ouais, non, mais j'avais pas vu, mais en fait, il était. Ah mais en fait il s'est jamais connecté en fait. Ah il a zéro dégâts, il s'est jamais connecté. On a été 4 depuis le début. Non c'est pas possible. Ah non 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 attends. Non non on devait on...
Ok. Bon, on devait être. On devait être 5 au début, il a du déco, je pense. Et il a pas. Et comme, et en gros, là, c'est que les dégâts de l'attaque, à mon avis, je pense. Enfin, j'en sais rien. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a fait. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. 600 € à gagner ce mois-ci sur YouTube. Donc, enfin, sur notre YouTube. Donc, parmi les abonnés, on comprendra des gens au sort dans les commentaires. Et donc, merci à vous d'être là. Merci à vous de votre soutien. Vous êtes toujours plus nombreux sur la chaîne et ça fait extrêmement chaud au cœur, vraiment. En tout cas, je me suis vraiment amusé et c'était vraiment cool. Pour moi, je suis une très belle surprise ce mode. Je trouve que le mode est fun et c'est le principal. Il faut créer des modes fun. Le jeu, des fois, en manque un petit peu, donc c'est vraiment sympa. Donc, ça donne un petit peu un vent d'air frais, évidemment. Voilà, il restera pas longtemps, mais voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était Skyap. Bisous tout le monde. Ciao, ciao et à bientôt. Bisous.